Alors, Delphine et Julie, vous avez découvert le yoga cette année, Tout à donc c'est fait. votre première saison. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre pratique? Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous trouvez de bien dans la pratique? Et ben beaucoup de plus de souplesse. Ouais. Voilà, moins de douleurs en fait. J'avais beaucoup de douleurs à lombaire, etc. Et ça va beaucoup mieux. D'accord. Et voilà, vraiment de l'énergie, de la souplesse. D'accord. Merci Delphine. Et toi Julie? Une détente au niveau des épaules, du corps, D'accord. une meilleure posture. Ouais. Faire plus ça, c'est droit vrai, ouais. et une reprise sportive aussi un peu, c'est important en fait. D'accord. Vous saviez, avant de faire du yoga, vous faisiez autre chose? Moi, j'ai toujours fait des sports collectifs, ouais, plus cardio. D'accord. Et ça, en fait, j'ai jamais fait de souplesse de ma vie et maintenant je le paye. D'accord. Et alors, est-ce que tu sens que tu progresses là, après quelques mois de Ouais, pratique? complètement. D'accord. Bon, c'est bien, c'est encourageant. Voilà. Bon, vous allez continuer? Oui, du vélo électrique. Du vélo C'est du électrique. sport, Ouais, c'est non? bien aussi le vélo électrique. Après, tu pourras pédaler avec les mains. Tu seras souple. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la pratique avec votre professeur? Bah, très bien. Bah oui, parce qu'elle est très progressive et c'est très agréable de ne pas se sentir. On se sent pas mis de côté parce qu'on est moins. Enfin voilà, je trouve que c'est très On s'en important. inclut. Ouais, on s'en inclut. Chacun progresse à sa vitesse. S'adapter. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci.